Oui, bon, après. Non, voilà. Mais par exemple, les valeurs morales, c'est très très large. Par exemple, il y a une personne qui est super réceptive, que ce soit dans Harry Potter, dans Star Wars, au niveau de réceptivité. On fait beaucoup de DC Comics, mais là on varie de temps en temps, on fait aussi d'autres licences. Eux ils sont tous en DC Comics, mais il y en a un, elle est déguisée en Gabriel en ange. C'est un manga. Et nous on est tous sur Dijon. On peut, généralement on fait des événements comme celle-ci, où on montre ce qu'on fait, on présente les personnages qu'on incarne. Moi c'est presque pareil, sauf que j'essaye de présenter des personnages qui ne sont pas si connus de certaines licences, pour faire en sorte que le public s'y intéresse. Des fois, on est invité à faire des promotions pour certains films, ou par exemple, s'il y en a un qui fait une promotion pour son laser game, on est invité à faire une animation. Et on fait nous-mêmes nos propres cosplays. Je vous présente l'équipe. Hey ! Bonjour ! Eh ben, salut à tous, moi je suis Shelby Cosplay. Très connue en France pour faire Harley Quinn. Aujourd'hui, je suis en Power Girl. Et oui, on change, hein. On peut être un vilain, mais aussi un peu une gentille. Je suis fondatrice de mon association de cosplay qui est la Justice Squad. On est 100% Dijonnais, mais on va partout en France pour faire découvrir notre univers et nos valeurs du cosplay et nos valeurs à nous, individuelles. On est très médiatisés, on est passé dans les journaux, à la radio, dans les JT, dans des reportages, tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux avec l'Instagram de la Justice Squad ou mon compte personnel, Shelby Cosplay, tout attaché, avec un S au début de Shelby comme les Peaky Blinders. Eh ben bonjour, je m'appelle Vlad, président de l'association Emergency Movies Car France. On présente différents véhicules et différents thèmes autour de la pop culture et des geeks. Donc notamment aujourd'hui, l'Ecto 1 qui est derrière moi, donc sur l'univers de Ghostbusters, réplique officielle du film de 2016, qui a servi donc à la promotion anniversaire des films à Montréal. Donc on a la voiture, le décor qui va avec, etc. On a quelques jeux aussi qui représentent la gamme Ghostbusters sur différentes consoles, notre petite vente de goodies, et on fait différentes animations, vous pourrez prendre des photos à bord du véhicule. Et nos autres événements, nos autres univers, c'est aussi le véhicule pour Terminator, pour Robocop, on fait l'univers d'E.T., on fait du rétro gaming, etc. Et on a même des mascottes où on peut s'amuser, donc venez nous voir, n'hésitez pas. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, au nom de Ecto 1 France pour la voiture qui est derrière. Bienvenue à Shinobi, donc Shinobi Ninja Fighting, c'est un stand où vous allez retrouver l'espace d'un stand du coup, tout donc l'armement des ninjas. Donc ça va passer du shuriken au kunai comme ce que vous êtes en train de voir derrière moi. On fait tout artisanalement, tout est créé et fait main, donc à partir de la forge. Et le but de tout ce stand qui fait à peu près 9 mètres, c'est de vous initier. Donc vous avez du parcours ninja, vous avez du lancer, donc shuriken, kunai, batarang, vous avez du tir à l'arc japonais traditionnel et vous allez avoir aussi du lancer de hache. Donc voilà, l'idée c'est de faire découvrir un maximum la culture traditionnelle des arts martiaux japonais et principalement des shinobi. Voilà. Comme il est 11h30, les plus prévoyants, si vous voulez être tranquille, vous pouvez aller manger maintenant, ça peut être une bonne idée. Et puis, il reste encore quelques places, mais plus beaucoup, vous ne vous attendez pas. Bonjour, alors ici c'est un stand de Mangate. Mangate c'est un salon de thé japonais à Dijon qui est ouvert depuis 2015, ça fait bientôt presque 10 ans. Hein. Et on propose à Mangate tout ce qui peut vous faire voyager au Japon. De la nourriture, des boissons, des goodies, des bonbons.
L'idée, c'est de vous immerger au Japon tout en restant à Dijon. Donc là, on est venu à Chalon-sur-Saône, justement pour proposer les bubble tea, l'une de nos boissons les plus répandues. Donc on est aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, donc Geek Legend, c'est une convention pop culture, manga, Japon, comics, etc. Et nous, l'idée, c'est d'apporter à la convention un produit japonais, le bubble tea, pour tous ceux justement qui ne le connaissent peut-être pas. Donc il est fait maison, il est sur place, il est checké à la minute et avec des produits de qualité. Voilà, c'est nous. Mes chers visiteurs, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette première édition des Geek Legends de Chalon. Dans quelques minutes. Ben, je fais de la gravure laser sur divers supports, que ce soit ardoise, bois, toile. Et j'aime bien travailler dans les parodies, faire des mélanges d'univers entre la pop culture, les contes de fées, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Donc je m'appelle Jérôme, je suis confiseur et artisan confiseur, donc je fabrique mes propres bonbons. Et moi je me suis spécialisé dans les sculptures de sucettes, donc c'est des petites sculptures de 10 grammes environ, avec des formes, des personnages de dessins animés, de mangas, des petits animaux. Et donc chaque sucette a des parfums différents, c'est fait qu'avec des arômes naturels, et tout est fabriqué à la main, avec une petite pince de bijoutier et un petit chalumeau. Donc en fait, moi, dans la vie, je suis street artiste. C'est pour ça que je m'appelle Hashtag, parce que mon nom de famille, c'est As, et je fais du tag, petit jeu de mots. Et en fait, je suis dans le perso hyper, hyper fan de Tim Burton. Donc c'est pour ça que tout mon univers tourne autour de ces personnages ou d'autres personnages, type manga et détourné en Tim Burton. You had it all.
Du coup, les Guns Armory, c'est une société qui se spécialise sur la création de costumes qui tournent autour de l'univers de science-fiction et plus précisément Star Wars. Donc on va proposer pas mal de produits différents qui vont du sabre laser jusqu'à la tenue et jusqu'aux articles de cuir qu'on fait nous-mêmes, qu'on fabrique nous-mêmes dans nos ateliers. Donc le stand est le stand de la maison d'édition associative 500 nuances de geek. C'est une maison d'édition spécialisée dans le jeu de rôle narratif, mais qui publie également quelques jeux de société Eurotrash, donc des jeux de société de niveau expert. Moi je fais surtout des illustrations, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, des illustrations, des dessins, depuis toujours. Et on peut retrouver un peu de tout, comme de la K-pop, ou bien de l'animé, comme du dessin animé, parce qu'il y a même du wakfu, ou même juste du dessin de base, donc des fonds, tout simplement. Alors moi je travaille sur le milieu de la magie et de la sorcellerie, je travaille sur trois univers différents. Je sculpte une centaine d'essences de bois, chaque fois des pièces uniques pour créer des baguettes de magiciens, de sorcellerie, de volva, d'enchantresse. Donc je travaille sur l'univers Harry Potter, dans le sens où chaque baguette, je vais insérer une petite partie d'animal dans le manche, les elfiques, où là on va travailler plus sur des animaux sylvestres, tels que le renne, le chevreuil, le cerf, l'aigle, et puis les baguettes d'enchantresse viking, les fameuses volva. Chaque baguette est runée, dans un univers un peu plus sombre, chauve-souris, serpent, aigle, renne, etc. Thank you.
Donc l'atelier d'art geek par excellence, on crée des tableaux dans un style à la fois sombre mais toujours raffiné. Donc on veut rapporter une maturité dans l'art geek avec un côté un peu plus sombre, un peu plus dark, parce qu'on a tous grandi avec les posters jaunes de Pikachu, on a tous grandi avec des choses très colorées mais dans un salon on considère que ça passe un peu moins bien. Donc on a voulu apporter notre touche à l'art geek. L'association Moviesmen Prod, une association qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et qui réalise du court-métrage et de la web-série sur la région Bourgogne. Voilà, donc notre dernière production, c'est Zero Quest Burgundia. Donc Burgundia, c'est un royaume imaginaire qui représente la Bourgogne, un royaume de fantasy. Et Zero Quest, c'est le nom de l'équipe d'aventuriers principale protagoniste de notre web série. Donc c'est trois aventuriers un petit peu nuls. Voilà. Donc on n'a aucun l'alchimiste qui est un alchimiste débutant. On a Calem le maître d'armes qui ne sait pas servir de ses armes. Et on a Mott le guerrier qui était un chevalier qui a été déclassé à cause de la boisson. Et donc ces trois aventuriers là, on va dire, évoluent sur le royaume de Burgundia pour réaliser un certain nombre de quêtes. Donc le but de cette série, c'était de faire une série d'héroïque fantasy humoristique sur la région Bourgogne et d'utiliser le patrimoine et les légendes locales à travers les aventures de nos protagonistes principaux. C'est-à-dire que chaque épisode met en avant une légende de façon humoristique. Alors, je m'appelle Amélie Anzer et je suis autrice. J'écris des romans, alors j'ai ma trilogie de fantasy, qui c'est une trilogie de fantasy et de mythologie. Je me suis amusée à reprendre le concept de monde après la mort pour les héros qui sont morts au combat et d'imaginer un monde où en fait vivent les descendants des héros de l'Antiquité. Donc on a plusieurs peuplades et toute une histoire avec une jeune fille qui a les souvenirs d'un roi qui a été assassiné et elle doit reconstituer tout le puzzle. Et on découvre en même temps les peuples de ce monde. J'ai aussi un roman historique qui s'appelle Le Crépuscule de l'Aigle. Et ça parle de la fin de l'Empire romain et du début du Moyen-Âge. Donc on est vraiment dans un roman historique avec des complots. Et puis on voit comment tout doucement la société glisse sur le Moyen-Âge avec toute une histoire romanesque avec un ancien soldat romain. Je m'appelle Audrey Demange et je suis auteure de livres de romans fantastiques. J'ai écrit deux trilogies qui sont reliées parce qu'on retrouve les mêmes personnages sur deux intrigues totalement différentes. Et moi, j'ai vraiment un monde ordinaire dans lequel il va se passer des événements extraordinaires où on va trouver de la magie et toutes sortes de créatures. Thank you.
suivi d'une fois vos questions. La capacité de devoir un goût mystérieux. Ça peut être... Oui, c'est le vaisseau des gentils. Et vous allez attaquer The Death Star, l'étoile de la mort. Et vous pouvez ouvrir les yeux, maintenant. Musique d'après. Enlevez vos chaussures, vite. Vous voulez, là, gars. Ok, mais tu es quand même dans le vaisseau de Star Wars. Ok, vous avez besoin de prendre une chaussure maintenant. Ça va vous permettre de diriger le joystick. Allez-y. Tu veux une chaussure pour les diriger le vaisseau? Tiens, allez-y. Vous décollez, allez-y. Décollage enclenché. Et dans 5. Musique d'après, Xavier. Et maintenant, vous êtes rentré à la base et regardez qui est là. C'est la princesse Leia. Et vous êtes très content et contente de la voir. Et elle va vous remettre vos médailles. Vous sauvez la planète. L'univers. Ils vont la balancer sur vous et vous allez vous endormir. Je m'appelle Art, je fais du dessin, je fais du cosplay, je fais beaucoup de choses. Et du coup, sur mon petit stand, je vous propose de découvrir mon univers et des univers que vous connaissez. Donc vous allez avoir des dessins, vous allez avoir des petits badges, vous avez des marque-pages. Et le petit truc que j'adore faire, c'est les mini-mois. Donc en fait, je vous dessine vous, ou vos personnages préférés, ou votre cosplay, ou une personne que vous appréciez. Et le tout, c'est fait à la main et c'est unique. Et du coup, je propose ça en convention pour que tout le monde ait son petit souvenir. Et puis, je suis producteur de spectacles et je suis comédien-voix depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je prête ma voix à de nombreux jeux vidéo, également, vous pouvez m'entendre à la télévision. Je fais beaucoup de publicité. Actuellement, j'en parle rapidement, hein, comme ça au moins ils savent à qui ils ont affaire. En fait, actuellement, vous m'entendez dans une pub avec Craig Robinson, la pub Dash. Je suis maniaque, Voilà, c'est moi qui fais la voix avec Dash. Deux en un, votre linge sera plus propre, voilà, comme ça vous l'aurez pour la journée. Je suis la voix également de Delacre, de Lutti, voilà, je suis la voix pour Energy 12. Et puis je suis comédien de doublage, entre autres, je suis la voix de Kirito dans la série S.A.O. sur Art Online. Je suis la voix de Chase, des Power Rangers, le Power Ranger noir, Sledge, le roi des méchants. Voilà, je fais 70 mangas dont une quinzaine en rôles principaux. Je suis Mushishi également, je fais des voix pour... je suis Junpei dans 100% Ichigo. Et puis, je suis depuis 2013 la voix officielle de tous les lapins crétins, comme tu disais Mathieu, la voix de tous les lapins crétins. C'est-à-dire que dès que vous entendez des... c'est forcément moi, et je fais les 15 lapins différents qui existent dans la série télé de partout dans le monde. C'est-à-dire que ma voix est diffusée dans 150 pays. Donc voilà, donc pardon à tous les parents, par avance. Je réécoute comment j'ai fait un lapin, par exemple, un lapin meneur qui fait beaucoup plus costaud. Et puis un lapin beaucoup plus fragile. Okay. Parce que je suis ce qu'on appelle une voix caméléon, donc j'ai la faculté de pouvoir changer ma voix totalement. Dans la voix du Père Noël, car je fais aussi la voix du Père Noël dans des dessins animés. J'ai fait des voix de monstres, hein, des petits personnages totalement rigolos aussi, et puis plein de personnages attachants, ou alors des clowns, pourquoi pas. Enfin voilà, et donc je fais énormément de voix cartoon. Et c'est la dernière fois.